Au niveau des repères, du coup, les arêtes du nez, des narines, arrivent à peu près au niveau des canaux lacrymaux, des tear ducts. Donc ça, c'est un bon repère pour placer justement en gros son tear par rapport au nez et avec l'espace entre les yeux d'un œil. Et ça peut être aussi un repère par rapport au menton qu'on va voir après. Là, on voit justement sur un portrait de Pera Vernet. Pera Justement, il est semi-réaliste. Et on voit que c'est étiré quand même au niveau du visage, mais il garde quand même plein de repères de proportions qui sont réalistes, justement. On verra après pour les oreilles, justement, le positionnement. Tout trop forcé. est. Ouais, franchement, il y a un très bon style, un gros caractère sur les portraits qu'il fait. Il Et vient de la... donc, Tu du sais coup. qui vient de la BD? Tu peux trouver encore ces albums? Ah Je ouais? suis... Ouais, Non, mais bah c'est je savais pas. il en a Non, fait d'autres, bah, trois je d'albums. regarderai du coup. Il a plein de styles, sa Ok. BD. Bah, je vais regarder ça. Lui, je l'étudie beaucoup, c'est pour ça. Ah, tu vois, c'est bien que tu sois là. Tu vois, tu délivres ta science. J'ai pas de science. Non, J'ai pas aucune de science. science. J'ai aucune science. Tu m'as appris Ah tous les trucs bon? techniques. Enfin, que j'ai lu dans les bouquins, mais que je ne retiens pas. Je suis sûr que tu les sais inconsciemment. Là, on reprend avec Gronet où on voit justement si la position du nez est complètement modifiée par rapport aux yeux qui sont réduits et tout. Où là, ça arrive carrément au milieu des yeux. Et pas au niveau du canal lacrymal. Et du coup, ça exagère vraiment le faciès du personnage. On reprend celui-là aussi, pareil, ça arrive au niveau des yeux et bien loin du canal lacrymal. Le nez est complètement exagéré. Ici, c'est au niveau de la ligne des pommettes. C'est intéressant de voir qu'on peut prendre la ligne du nez comme repère pour les pommettes. Donc c'est l'os zygomatique qui est juste en dessous et qui va dessiner la pommette et qui arrive à peu près au niveau de la ligne du nez, qui a un bon repère pour ça. On me disait souvent qu'un repère sympathique pour la pommette, justement, et un moyen de se l'imager, c'est d'imaginer que c'est une paire de lunettes sous les yeux quand on regarde notamment le crâne en dessous qui relie l'oreille et la pommette comme ça. Ah oui, pour l'os, justement, pour le représenter. Oui, c'est vrai, parce que ça arrive juste au-dessus de l'oreille. Du coup, si on le prolonge, on va arriver juste sous le nez. Oui, c'est vrai, ça fait comme des lunettes. Donc ça, on avait vu la différence homme-femme, les différents types de nez. Donc justement, il y a plein de nez possibles. Imaginable, en cartoon qui développe ça comme pas possible. Du coup, c'est dommage que pour les nanas, ils limitent ça à deux traits. Après, c'est mon point de vue. Donc là, justement, le nez qui est plus prononcé chez certains personnages féminins. En cartoon, où ils peuvent exagérer complètement la taille du nez, là, c'est Kill Bill. Là aussi, ils déforment complètement le nez, il part sur les côtés, au milieu des yeux. Là, il est à peu près bien placé et là, il part complètement en sucette. Ou là, sur une illustration de Safronov, où là, le nez hyper allongé et qui correspond au langage de forme du personnage qui a des pointes placées de tous les côtés. Ou justement, très pour le Et angulaire. côté inquiétant. Et donc là, on voit aussi. Ouais, voilà, il y a des pointes de tous les côtés. Il y a ces deux pointes-là qui répondent à ces deux pointes-là. Il a les deux pointes aussi sur le crâne. On voit que la pommette est marquée au niveau de la ligne du nez, encore une fois. Et on voit très bien le côté haut, bas, haut pour le nez. Très marqué. Très intéressant comme portrait. Ou alors, il peut y avoir des monstres sans nez. Et du coup, on peut voir que si on prend
Le triangle isocèle, il est très écrasé, du coup ça donne le côté mutin et un peu inquiétant et maléfique du coup à la créature. Et pareil, l'espace entre les yeux qui est aussi énorme, qui a rallongé et qui a grandi du coup la base du triangle.